Une partie des enseignants et du personnel administratif du Conservatoire du Mans débrayé aujourd'hui. Une journée, une demi-journée ou juste une heure, comme pour ce professeur de chant. Un mouvement national qui fait suite à la suppression, pour 3 ans, des subventions d'État au conservatoire non rattachées à l'enseignement supérieur. Or, il n'existe que 9 pôles supérieurs en France. Il est vrai que l'arrêt de ces subventions du ministère au conservatoire depuis décembre 2014, qui a été décidé assez brusquement, met non seulement les conservatoires en difficulté, mais bien sûr les collectivités qui les financent presque intégralement et aujourd'hui intégralement. C'est toujours extrêmement important d'avoir un symbole de la participation de l'État dans l'enseignement artistique et surtout dans la démocratisation de l'enseignement artistique. La subvention d'État perdue est de 110 000 euros. Le conservatoire à rayonnement départemental du Mans est à ce jour entièrement financé par la ville à hauteur de 3 200 000 euros.